Légende, donc voilà, comme prévu, je vais faire ma mini FAQ et aussi parler de mes projets pour cette année sur ma chaîne. Mais avant toute chose, j'aimerais aussi rendre hommage à cette chanteuse, donc Dolores O'Riordan. O'Riordan, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, cette chanteuse irlandaise du groupe très connu The Cranberries qui a chanté la chanson Zombie, Salvation et plein d'autres. Chanson de son groupe qui malheureusement est décédée à 46 ans. Je ne sais pas encore de quoi, mais je sais qu'elle était anorexique, donc ça n'a pas dû aider beaucoup. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Voilà, alors on m'a posé des questions simples mais efficaces. Donc déjà on m'a demandé ce que je faisais comme jeu. Donc j'en ai beaucoup. En ce moment je suis énormément sur Rust parce que comme je vous le savez j'ai eu un problème de disque dur externe, donc j'ai pas beaucoup de place sur mon PC, du coup je joue à des jeux qui sont pas trop gros, donc Rust fait que 3 Go, j'ai réussi à le télécharger rapidement. En plus j'ai une connexion très lente, donc pour des jeux qui font 20 à 21 Go je mets 2 jours et ça m'énerve beaucoup parce que du coup je suis obligé d'attendre et je fais rien en attendant et ça me fait chier, donc voilà. Ensuite je joue aussi à Heroes of the Storm, Overwatch, Diablo et bah en fait tous les jeux de l'univers Blizzard. Sauf les Vikings perdus parce que je l'ai pas encore testé et j'aimerais bien d'ailleurs, si quelqu'un a un endroit où on peut le tester, bah merci de me donner dans un lien, j'adore les jeux Blizzard. Ensuite j'ai joué à Fortnite mais malheureusement il était installé sur mon disque dur qui a planté, du coup je peux pas réinstaller les jeux et ça m'énerve grandement. Donc ça répond aussi à la question, je vais répondre à toutes les questions d'un coup. Alors, je joue sur PC, je n'ai pas d'autres consoles à part, si j'ai une PS2 mais je peux pas enregistrer dessus, hein. Ce qui est dommage parce que j'ai des jeux sympas sur PS2, il y a eu des jeux géniaux. Par exemple, il y a un jeu auquel je joue encore énormément, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 que j'adore. J'ai pas eu de Budokai Tenkaichi 3, dommage, parce que c'est des très bons jeux de combat, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils ressortent des jeux de combat dans ce genre-là, avec FighterZ qui vient de sortir, enfin, qui va sortir, ou qui est déjà sorti, enfin, je crois qu'il sort plus tôt, là, c'était les tests, donc voilà. Sinon, bah, Pokémon Showdown, hein, comme vous pouvez le constater, j'y suis pas mal. Deux fois, je m'amuse en fait, j'essaye de pas faire des trucs genre tournoi, tout ça, j'essaie de faire des équipes un peu complètement troll, random, ça marche, hein, pas toujours, mais par exemple, il y a un replay où je bats quand même un méga Kyogre, enfin un Primo Kyogre, pas tout shiny, mais un méga Kyogre avec un Oshawott, qui est quand même un Pokémon de merde. J'ai beaucoup de projets pour cette année. En ce moment, il y a quelques mois, j'avais commencé à écrire quelque chose qui est une fiction. Donc, je vais essayer de la continuer. Si je vous parlerai peut-être plus dans une vidéo quand j'aurai un peu plus continué. Mais bon, voilà. J'aimerais faire une mini-série sur ma chaîne secondaire, enfin sur la deuxième chaîne, c'est pas ma chaîne secondaire, c'est sur la deuxième chaîne, parce qu'elle est à deux personnes, elle est à moi et un de mes amis. Donc avec lui, j'aimerais qu'on réussisse à faire une mini-série un peu dans le même genre que les films en found footage, genre il y a Rec, en fait, on n'est pas obligé de voir ce qui nous agresse, mais c'est juste, en fait, c'est filmé. En fait, la caméra, c'est souvent soit une caméra qui nous filme nous et qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas une caméra comme dans les films où, par exemple, c'est filmé sur un plan fixe ou sur un plan large ou tout ce que vous voulez. C'est par exemple ça, une caméra comme ça. Enfin, c'est un appareil photo, mais c'est pas grave. Ou un téléphone ou une tablette, en fait, qui nous filme dans des endroits où parce que le monde a été attaqué par. Je sais pas encore, on est en train de réfléchir. J'aimerais bien que ça se concrétise parce que ce serait génial. Donc voilà. Aussi, bah, je vais pas faire que des animés cette fois-ci. J'aimerais aussi mettre beaucoup plus de, comment dire, de films et séries parce que j'en regarde aussi, même si c'est les films plus que les séries. Les séries en ce moment, je regarde Black, qui est une série coréenne qui est très difficile à expliquer sans spoil toute l'histoire. Donc, si vous voulez la voir, elle est sur Netflix, si vous avez Netflix. Après, je sais pas, dans le gaming, en fait, malheureusement, je suis un peu très restreint à cause de ma connexion de merde. C'est le cas de le dire. Quand je veux faire un live, je suis obligé d'être en 240 ou en 360p,
ce qui est pas énorme, donc du coup bah en fait on voit quasiment rien du live, ce qui est dommage. J'ai fait un seul live en très bonne en 720, mais j'étais pas chez moi, donc voilà, j'étais dans ma famille au Luxembourg, qui voilà, ça marche très bien, mais voilà. Du coup bah je sais pas quoi expliquer d'autre, à part que bah si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'essaierai de vous répondre. J'ai une page Facebook aussi que je vais mettre le lien dans la description si vous voulez avoir quelques nouvelles. C'est souvent là-bas que je préviens quand je vais faire une vidéo. Peut-être pas toujours sur quoi, mais quand je prépare une vidéo. Bon après, il faut savoir que moi, je suis pas le genre de mec qui va faire énormément de montage pour une vidéo. Après, il y en a certaines où je fais énormément de montage, par exemple. Enfin, moi sur cette chaîne, mais sur la deuxième chaîne où par exemple on a fait tout le jeu Fear 3 que j'ai enregistré en entier, je vais pas mettre je crois il y a 10 heures, un peu plus de 10 heures, non, il y a, non, pas 10 heures, 2-3 heures de gameplay, on va pas mettre les 3 heures, on a mis, j'essaie de compiler les meilleurs moments. Après, je vais essayer de m'entraîner pour le montage pour faire des meilleures vidéos, après c'est, voilà. Je pense que je vais terminer là-dessus et je vous dis à bientôt tout le monde, allez. Ciao dans une prochaine vidéo. Waka waka.